Le 1er juin dernier, la famille de Mike Bataillet, l'interprète de Denis Markowski, le directeur de la laverie industrielle Lavanderia Brillante dans la série Breaking Bad, a annoncé une bien triste nouvelle. Dans un post publié sur Facebook, ses proches ont en effet révélé que l'acteur de 52 ans était décédé d'une crise cardiaque. CST avec une grande tristesse et le cœur lourd que mes sœurs et moi annonçons le décès de notre cher frère, ont-ils écrit, précisant que l'humoriste avait rendu son dernier souffle dans son sommeil, dans sa maison du Michigan. Il manquera beaucoup à ceux qu'il aimait, lui et sa grande capacité à apporter rire et joie à tant de personnes, ont-ils poursuivi, profondément ému. En plus de son apparition très remarquée dans la série à succès de Vince Gilligan, Mike Bataillet avait également travaillé sur d'autres projets télévisés tels que Boy Meets World, It's Always Sunny in Philadelphia, The Bernie Mac Show, Sleeper Cell ou encore Everybody Loves Raymond. Côté cinéma, il avait partagé l'affiche avec Hugh Grant, Jennifer Coolidge et Willem Dafoe dans American Dreams ou encore avec Adam Sandler dans Rien que pour vos cheveux. Enfin, il avait également séduit le public en 2012 en interprétant Mike, le rôle principal du film de Roland Acheff, Détroit Only 2. Supérieur à ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023. Mike Bataillet, un humoriste à succès en parallèle de sa carrière d'acteur, Mike Bataillet se produisait également en tant qu'humoriste dans de nombreux comédie clubs. Notamment au Laugh Factory à Los Angeles ou encore au Gotham à New York. Mais ce n'est pas tout. L'acteur s'était également exporté à l'international en réalisant de nombreux projets au Moyen-Orient, et plus précisément à Dubaï, au Liban, en Égypte ou en Jordanie. Il avait même été invité à deux reprises par la famille royale de Jordanie à l'Amman Stand-Up Comedy Festival. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Schwarzweiler Images.